Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous allez adorer les amis, car aujourd'hui je vais notamment vous faire gagner des Robux. Et en plus, ce n'est pas tout, car il n'y aura pas un, ni deux, ni trois, mais tenez-vous bien, il y aura 10 gagnants. 10 d'entre vous vont pouvoir gagner des Robux les amis, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire pour participer. Et c'est très important de rester jusqu'à la fin, car je vais également vous poser une question à laquelle il faudra répondre pour pouvoir être l'un des participants au concours et tenter de gagner les Robux. La réponse à cette question sera bien sûr dans cette vidéo, donc soyez très attentifs les amis. Donc voilà les amis, avant de commencer, surtout comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche des notifications. Je sais que vous êtes vraiment énormément à me regarder sans être abonné, alors aujourd'hui c'est le moment. Allez, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner, donc cliquez sur s'abonner et sur la cloche juste à côté, c'est gratuit et comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. N'hésitez pas également à me laisser un pouce bleu, un like les amis, et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous feriez avec vos Robux si vous en aviez, qu'est-ce que vous achèteriez avec. Merci à tous les amis. Donc pour commencer aujourd'hui, j'ai vu sur l'Instagram de Adopt Me qu'ils avaient mis de nouveaux accessoires pour pets dans la boutique. Donc on va vite aller regarder ça ensemble. Je vais peut-être en acheter quelques-uns s'il y en a qui me plaisent. Mais avant, je vais récupérer un pins. Je crois que j'ai droit encore à pas mal de pins. Donc j'essaye d'en récupérer 3 ou 4 tous les jours. Je ne sais pas trop combien de temps ils vont rester là. Vous êtes nombreux à me le demander en commentaire. Mais pour l'instant, je n'ai aucune information à ce sujet. Donc allez, c'est parti, on va regarder ensemble les accessoires qui sont disponibles dans la boutique. Donc on a cette petite paire de lunettes classiques, rondes, c'est pas trop ce que je préfère. Et on a, oh my god, ce petit papillon là, je crois que c'est une petite barrette sûrement. Donc ça c'est sûr, je vais l'acheter pour ma Crystal. En plus ça va lui aller super bien avec sa tenue de princesse papillon. Elle va être trop mignonne. Alors on continue, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah ouais, des petites tennis, elles sont trop jolies celles-ci en bleu turquoise. C'est l'une de mes couleurs préférées hein. Certains d'entre vous le savent peut-être, j'adore le rose et le bleu turquoise. Elles sont trop trop belles, en plus 150 bucks. Franchement c'est pas cher du tout. Attendez, j'ai oublié de les acheter. Je vais vite acheter mes petites tennis. Et voilà, ça c'est fait, on continue. Donc là on a l'article le plus cher, le rarissime. C'est un petit sac à dos blanc avec des détails noirs. Il est mignon, mais je le trouve pas non plus exceptionnel. Donc je pense que celui-ci, pour 1500 bucks, je ne vais pas l'acheter tout de suite. Il y a ces petites chaussures. Oh my god, regardez, il y a un petit talon. Elles sont trop mignonnes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elles me font un peu penser aux chaussures de certaines poupées LOL Surprise. Alors, je sais pas si vous connaissez ou non les LOL Surprise. Moi, j'aime bien et elles me font penser à leurs chaussures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et elles valent 750 bucks quand même. On a ensuite ce petit... cette petite capuche blanche, elle est trop mignonne. Celle-ci, je pense que je vais l'acheter aussi à 200 bucks pour l'hiver. Ce sera parfait pour tenir mes pets au chaud. Alors, on continue et nous avons cette casquette rose et noire. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Donc, c'est un accessoire que je vais également acheter aujourd'hui pour 250 bucks. C'est parti, je suis plutôt contente. J'en ai acheté quelques-uns. Il n'y en a pas toujours autant qui me plaisent hein, dans les nouveaux articles. Et ensuite, on revient au kit Royal Butterfly. Donc, celui-ci, vous le connaissez, il est magnifique et il va parfaitement à ma Crystal. Du coup je ne lui ai plus enlevé depuis que je le lui ai mis et j'adore sur elle. Donc voilà, on revient ensuite aux lunettes basiques. Et du coup les amis, maintenant que j'ai racheté plein d'accessoires, on va pouvoir aller parler du concours. Attendez, je vais juste essayer à ma Crystal sa petite barrette. Elle a déjà été rangée dans mon inventaire, regardez tous les pins que j'ai déjà. Donc vous le savez hein, les pins, vous pouvez en avoir 5 par exemplaire, 5 pins par modèle. Donc n'hésitez pas hein, à aller les récupérer. Et regardez ma Crystal avec sa petite barrette papillon. Non mais elle est pas trop mignonne, c'est parfaitement assorti à sa tenue actuelle, j'adore. Elle est hyper belle. Ah oui les amis, je viens d'y penser, je voulais aller vérifier quelque chose avec vous aujourd'hui au niveau de la Gumball Machine. Donc on est aujourd'hui dimanche 9 août et on va aller voir ce qui est inscrit au niveau de la fameuse Gumball Machine, là où il y aura probablement les nouveaux Dino X. Donc je ne sais pas si vous avez vu l'une de mes précédentes vidéos. Ah oui, vous voyez, il y a toujours les points d'interrogation. Donc oui, je vous disais, dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous parlais des Dino X et en fait, je menais un petit
peu l'enquête pour arriver à une date possible de lancement de ces nouveaux œufs. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. Et pour l'instant, mon hypothèse est plutôt vérifiée car il n'y a toujours pas de date inscrite juste là. Et donc c'est plutôt cool, n'hésitez pas à aller voir cette fameuse vidéo, elle vous a beaucoup plu. Et nous voici maintenant au niveau des du tableau des pets. Je voulais également vous montrer, oui les amis, tous les pets que j'ai et surtout ceux qu'il me manque, car vous êtes nombreux à me demander ça en commentaire pour pouvoir faire des trades avec vous. Donc je vais vous montrer ça rapidement avant de vous faire une vidéo dans laquelle je vous montrerai tout mon inventaire. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc les amis, s'il y a un des pets que je n'ai pas et que vous avez et que vous voulez le trade, après y avoir réfléchi bien sûr, hein, ne le faites pas pour me faire plaisir s'il vous plaît, réfléchissez bien si vous voulez trade ou pas votre pet, et bien n'hésitez pas à m'écrire ça en commentaire ou encore mieux à me l'écrire sur mon Instagram Maeva Games Video, c'est exactement le nom de ma chaîne tout attaché, et comme ça on pourra s'arranger pour faire la trade. Donc voilà, sur la première ligne, donc on commence avec les communs, je les ai tous et je vais vous dire à chaque fois mon pet préféré par ligne. Donc sur cette première ligne, mon pet préféré c'est bien sûr la poule, vous le savez si vous suivez mes vidéos. On a la deuxième ligne, là c'est bien sûr le fameux chien bleu, l'un des pets les plus rares du jeu. On continue et là mon préféré c'est le Drake. Sur la quatrième ligne c'est bien sûr le fameux chat rose, il est trop beau celui-ci, je l'adore, j'aimerais bien faire un néon. On continue avec la cinquième ligne et là mon préféré, vous le savez probablement également, c'est l'ours brun, il est trop beau, j'en ai un qui est néon et qui est magnifique. Sur la ligne suivante, j'hésite vraiment entre l'éléphant et la vache, mais je crois que je préfère la vache, elle est trop jolie. On continue et là j'hésite également entre le polar bear et le cochon, mais je crois que je préfère le cochon tout simplement parce qu'il est rose, il est trop mignon. On continue avec la ligne suivante et là c'est bien sûr le reindeer, l'un des pets de Noël, il est trop beau et celui-ci en néon, il a en fait le nez qui devient rouge, il est trop mignon. Et voilà, et sur la ligne suivante on arrive au premier pet qu'il me manque, là mon préféré c'est le crocodile et celui qu'il me manque c'est bien sûr le dalmatien. Alors les amis, si vous avez un dalmatien et que vous êtes sûr de vouloir le trade, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me laissant votre pseudo ou alors sur mon Instagram Maeva Games Video tout attaché. On continue avec le flamant rose qui est lui l'un de mes pets préférés du jeu, il est trop beau. Sur la ligne suivante c'est bien sûr le lion, il est majestueux ce lion, je l'adore. J'aime bien aussi le koala qui est trop mignon. Sur la ligne suivante, alors là j'hésite un peu mais je dirais peut-être le Shiba Inu, et vous voyez qu'il me manque la Starfish, mais celle-ci on la récupérera très bientôt ensemble les amis, donc ne ratez pas mes prochaines vidéos. On arrive à présent à la dernière ligne des rarissimes avant les légendaires et là mon préféré c'est le zombie buffalo, je le trouve vraiment original en fait ce pet, il sort du lot, il est vraiment pas comme les autres, je sais pas, je trouve qu'il a quelque chose de différent, donc c'est mon préféré. Et on arrive maintenant aux légendaires et c'est là qu'il me manque pas mal de pets, à commencer par le Bat Dragon bien sûr. Quand j'ai commencé Adopt Me, eh bien il était déjà passé malheureusement. Et on a ensuite les Diamond Pets, donc Diamond Griffin, Dragon et Unicorn bien sûr. Donc là je crois qu'il va falloir attendre encore un peu. Les trois autres je les ai. Ensuite il me manque la girafe qui est vraiment mon dream pet du moment. Donc voilà, j'espère vraiment réussir à avoir une girafe, je vais essayer de faire une licorne méga néon pour pouvoir la trade. Ensuite, il y a les Golden, Golden Griffin, Dragon et Unicorn. Et là, il va falloir que je sois un peu patiente pour arriver à mon Golden Egg. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, la vidéo dans laquelle on m'avait proposé une Golden Unicorn contre ma Crystal. Et j'avais refusé la trade. Donc ensuite, les autres, je les ai. J'ai cette rangée qui est complète en fait. Hein. J'ai tous les légendaires. Et du coup, sur cette rangée-là, mon préféré, c'est bien sûr le kangourou. Il est trop beau. Sur la ligne suivante, il me manque le Owl et le Shadow, ça c'est pareil, j'ai commencé beaucoup plus tard à jouer à Adopt Me, donc j'ai raté ces pets, donc maintenant je ne peux les avoir qu'en trade et ce serait vraiment génial que je puisse les trouver. Et sur cette ligne là j'adore le Parrot avec ses couleurs, il est incroyable ce pet. Et bien sûr on arrive à la dernière ligne sur laquelle mon pet préféré c'est bien évidemment la licorne, même si j'adore les tortues, mais voilà, les licornes pour moi c'est vraiment mes pets préférés du jeu je crois, hein, carrément, vous le savez.
avez avec ma Crystal. Donc voilà, vous savez tout sur mes préférences. Vous aussi, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pet préféré du jeu. Donc voilà, comme ça, je pourrais voir un petit peu si on a les mêmes goûts ou pas. Et c'est parti, direction le VIP, l'espace VIP. J'espère que ça vous portera bonheur, les amis, car c'est là que je vais vous parler du concours pour tenter de gagner les Robux. Ça va être trop génial. Je vais juste donner à manger et à boire à ma petite Crystal qui a faim depuis tout à l'heure. Et ensuite, je vous parle du concours. Regardez ça, j'aime trop lui donner du lait chocolaté car en fait, ça se transforme en bouteille d'eau. J'aime trop faire ça. Je sais pas, les pets n'ont pas le droit au lait chocolaté, peut-être parce qu'il y a une paille. Je sais pas, c'est un peu dangereux pour eux, la paille probablement. Donc voilà, ça me fait toujours trop rire. Et je vais lui donner du pop-corn. Donc voilà, comme ça, ma Crystal aura le ventre plein lorsqu'on parlera du concours. Donc les amis, je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui, vous allez pouvoir gagner des Robux. Et aujourd'hui, les amis, 10 d'entre vous, vous avez bien entendu 10 personnes, vont pouvoir gagner 50 Robux chacun. Donc voilà, je suis hyper contente de pouvoir vous offrir ça. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. C'est également pour vous remercier pour mes 50 000 abonnés. C'est pour ça que j'ai choisi la somme de 50. Donc voilà, quand on aura 100 000 abonnés, eh bien je crois que je ferai gagner à 20 d'entre vous 100 Robux. Donc voilà, prochain objectif sur la chaîne, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Je sais qu'on va y arriver. Et pour participer à ce concours, la première condition, bien sûr, est de s'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. La deuxième condition est de liker la vidéo, de laisser plein de pouces en l'air, les amis, pour pouvoir participer à ce concours et tenter de gagner 50 Robux. On continue. La troisième condition est de me laisser un commentaire. Et dans ce commentaire, il faudra répondre à cette question: quel est mon pet préféré? Dans la cinquième ligne du tableau, la cinquième ligne. Si vous ne vous en souvenez pas, les amis, surtout n'hésitez pas à revenir en arrière et à aller regarder la partie de la vidéo dans laquelle je vous disais mon pet préféré au niveau de la cinquième ligne. Et n'oubliez pas également de me laisser en commentaire votre pseudo Roblox. Ça, c'est très important si vous êtes le gagnant pour que je puisse vous verser les 50 Robux. Ensuite, il ne reste plus qu'à vous abonner à mon profil, à suivre mon profil sur Roblox, c'est Maeva Plays. Et ainsi, vous pourrez venir me rejoindre en jeu à chaque fois que je joue sur un serveur public. Et dernière condition est de suivre mon groupe sur Roblox, la team Maeva. Et voilà les amis, je vous souhaite à tous bonne chance. Résultat du concours dimanche prochain, bien sûr. Et je filmerai quand je verserai les 50 Robux aux 10 gagnants. Comme ça, en fait, je vous montrerai également en vidéo comment verser des Robux à une personne sur Roblox. Donc là, je vais vite emmener ma Crystal voir le docteur car la pauvre, elle se sent pas super bien. Voilà, c'est bon, elle va très vite aller mieux. Génial, elle va déjà mieux. Mais vous le voyez, hein, j'ai pas gagné de bucks. Ça m'arrive tout le temps. Je sais que vous êtes aussi nombreux à m'avoir dit que ça vous arrivait également. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous.